Dream is so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. And don't you come back. Oh, baby, please. And don't you come back no more. Cette ville est remplie de brigands. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour. Vous allez bien? Bah, habite au bon et vous? Bah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des contrôles, monsieur? Je n'ai aucune idée. Vraiment, d'accord. Là. Continuons, je prends votre version des faits et on mettra tout en commun. Donc, ces messieurs ont fait du racolage, vous leur avez dit que vous êtes. Pardon! Avocate. Pardon! Chacun du racolage, fait, vous nous prenez pour des prostituées. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais on racole pas. Finir. Chacun. Non, diffamation, notre diffamation, Cooper. On racole personne, nous, hein. On n'est pas des putes. Oui. Racolage, ça peut s'utiliser dans plusieurs sens, monsieur. Ah, oui, bah non. Allez voir la définition. Elle m'a dit que vous avez fait du racolage pour promouvoir. Votre cabinet d'avocat. Pardon. On lui a juste demandé comment ça se fait qu'une avocate traîne en taxi, monsieur. Non, on s'est juste présenté à elle. Bah, va falloir se mettre d'accord, monsieur. Bah, on s'est présenté à elle et on lui a demandé pourquoi une avocate était en taxi. D'accord. Voilà. Bah voilà. Voilà, fin d'histoire. Vous m'avez suivi sur plusieurs mètres après ça. Ah, bien non. Sûr, vous n'avez fait un accident, madame. Bah oui. Non, l'accident. Si, vous avez fait un accident, madame. Vous nous avez foncé. Vous m'avez dedans, suivi madame. Sur plusieurs mètres. Il y a eu un accident, madame. Évidemment qu'on va vous suivre quand il y a un délit de fuite, madame. Attendez, monsieur, j'ai une petite question. Une petite. Ah, vous vous réveillez maintenant? Vous voyez une avocate. D'accord. Vous dormez ou vous réveillez en parlant? Non, mais vous voyez une avocate en taxi. Pour vous, c'est suspect? Est-ce qu'il nous parle à nous, Sterling? Je ne sais pas, Cooper. J'ai pas envie de parler à des gens qui s'endorment quand on leur parle. J'ai pas envie de leur parler. On sait bien ce que je veux. Moi, je vais vous parler, moi. Vous voyez une avocate, certes, que ce soit une avocate ou non, qu'elle soit en taxi ou non. Non, ce n'est pas légal, monsieur. Ce n'est pas légal. Non, ce n'est pas légal. Et qui vous dit qu'elle fait pas Uber à 16 heures perdues? Elle s'est peut-être acheté un taxi. Uber, c'est pas taxi, monsieur. Les Uber ne sont pas taxi, monsieur. Donc, faire deux métiers, c'est. Monsieur, je ne vous parle pas. Il a totalement raison de faire deux métiers à la droite. Je parle pas de délit de fuite. Bah oui, mais il faut partir. Ça les offusque que je sois avocate en taxi. C'est des huissiers, des policiers ou des avocats, là, je comprends pas. On est avocat, on est avocat. Après, monsieur, vous avez quand même suivi une femme sur plusieurs mètres. Nous ne l'avons pas suivi, nous l'avons poursuivi, madame. Il y a eu accident, on fait délit de fuite, on poursuit le contrevenant, monsieur. Vous êtes de la police pour poursuivre des gens? Bah, parce qu'elle doit payer. Imaginez, rattrape-la. Il lui a bien dit, rattrapez-la. Bien sûr, imaginez si cette dame avait d'armes. Attendez, vous entendez quelqu'un qui parle à travers deux voitures, madame. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Ça a l'air très intéressant, votre version oui, de merde. Ça me plaît. Oh, excusez-moi des faits, madame. Après, monsieur, je tiens à dire quelque chose. Imaginez si cette dame avait une arme. Oui, et ben. Et alors, monsieur? Et ben, si je l'avais suivi à quoi? Une prise d'otage, on aurait dû intervenir encore une fois pour pouvoir. Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Enlève ton bandana, Charlie, là, et parle correctement. Je parle correctement, c'est juste. Bon, moi, j'ai parlé. J'en ai ras la casquette, j'ai pas pu avec eux. Oui, il faut partir, monsieur. Voilà, il faut partir. Allez dormir. J'avoue que. Je vais aller rompiller. Voilà, allez rompiller. Rendez-vous utile. Non, madame, vous pouvez y aller, allez-y. Il faut partir de même. Bonne soirée. Non, non, vous pouvez pas y aller, madame. Laisse-la partir, Sterling. Tu vois bien que c'est de la basse qualité, nous ne pouvons pas parler à ces gens-là. Oui. J'ai envie de commettre un acte très violent. Moi aussi, un acte criminel, Sterling. Un acte criminel, c'est le mot, Cooper. En même temps, ici, pour suivre la machine, les avocats de nos jours. Doucement, là, quand vous reculez. C'est bien connu, la police, malheureusement, de bas étage, Sterling, de bas étage. Oui, bon, ça n'a pas été souvent à l'école. Bonsoir, les deux plus beaux avocats de la ville. Bonsoir, messieurs, Sterling Cooper, avocat. Ah, oui, ça va et vous? Oui, bon, la police. Ça va bien, d'habitude, bon, à part la police qui s'est ramassée. Ah, c'était quoi ce rassemblement, là? Oui, c'est une dame qui, elle, une dame qui s'est foutue de notre gueule, et puis la police pour lécher des culs. Il lui suce la chatte. Voilà, excusez-moi les propos, les propos sont durs. Les mots sont durs. Ouais, mais il faut dire la vérité. C'est la justice, c'est comme ça, des fois, le portrait est violent. Mais il faut dire la vérité. La vérité était dite. Sinon, les affaires, c'est vrai, ça tourne. Bah, avec une police comme ça, j'ai presque envie de vous dire que non, monsieur. Ah, pourquoi? Parce qu'elle fait pas son boulot, malheureusement. Ouais, mais s'ils font pas leur boulot, ça veut dire que ça vous fait plus de boulot. Bah, c'est ça le problème, monsieur, c'est qu'on avance pas, c'est le serpent qui se mange la queue, monsieur. Déjà, j'aimerais bien toucher un chèque de la police, là, depuis le temps des affaires et tout. Bah, moi aussi, j'aimerais bien qu'ils me payent les kits de réparation que je leur fournis, parce que. Oui, bien, Cooper, on va réclamer notre dû, là, parce que toutes les fois où on a été avocat et on n'a pas été payé, ça suffit. Il faut faire payer avant, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être payé.
Si une personne est en garde à vue actuellement, oui, dites-nous. Est-ce que vous pouvez savoir On peut tout pourquoi. Savoir, monsieur. On peut tout savoir. Parce qu'en fait, de toute façon, on peut le dire devant lui. Mais il y a ma sœur actuellement, Phoebe Reyes, qui est en garde à vue. Et personne ne veut me dire qu'est-ce qui se passe. J'aimerais bien voir si c'est possible de savoir. Monsieur, nous ne sommes pas fumeurs, nous ne fumons que la justice, monsieur. Nous fumons la pipe en bois aussi. Voilà, et les lois. C'est de la CBD en pipe, si vous voulez. La CBD en pipe. En gros, c'est de la beuh dans la pipe. Moi, je ne pipe pas. Mais c'est de la CBD. Tu pipes un peu, Sterling ? Non, c'est pas vraiment de la CBD, c'est de la... J'ai pas pipé depuis un petit moment, Cooper. Bah oui, je comprends. Vous voulez ? Non, je ne pipe pas. Non, on pipera plus tard, monsieur. Ok, et vous ? Non, moi je pipe pas du tout, moi. Yo, mais c'est de la beuh, fils de pute. Oh ! Ah, vous connaissez ses parents, dites donc. Ouais, mais il a raison, j'ai une... D'accord, ok, oui. D'accord, autant pour moi. Je sais du respect. Et toi, le dégradé au cutter ? Non, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Calme-toi, compère, je sens que t'es sur les nerfs. Non, c'est une mouche qui me tracasse, là, monsieur. Oui, je comprends. Tu veux pas de la drogue, un peu, compère ? La dernière fois, je ne vous cache pas avoir pris. Non, il la supporte pas, il la supporte pas. Je vous avoue que j'étais dans un autre monde, monsieur, d'un autre monde, hein. Oui, il fait des plaidoyers. Il enchaîne des plaidoyers imaginaires après. Oui. Et ok. Vas-y, je vous laisse alors. Bonne chance voilà, à vous. Voilà, tout à fait. Monsieur. Et monsieur, mettez un casque. Mettez un casque, soyez prudent un peu. Un accident est vite arrivé. Oui, faites attention à vous. Oui, C'est faisant un accident que t'avais plus tes cheveux ? Non, c'est en frottant ma tête entre les cuisses de ta mère. Ah, oui, okay. Je m'en souviens. Voilà. Et c'est, du coup ça part très bien. Au revoir, monsieur. Ouais, je vois. Voilà. Ça va vite. Ça doit être un bon avocat quand même. Oui, nous sommes les meilleurs avocats de la ville. Nous sommes les meilleurs. Je vois ça, vous avez une belle répartie. Vous êtes vraiment les meilleurs, hein ? Oui, bah c'est normal. Bah oui, c'est normal. Les meilleurs et les plus mauvais. Il m'a trébuché, c'est rien. Moi je voudrais être défendu par vous. Oh, il y a un autre chauve qui arrive. Il m'a trébuché, hein. Tu as vu Cooper, il m'a fait une accroche-patte. Il a fait un coup de béquille, mais il aura besoin de nous, il est bientôt en prison lui. Oui, hein. Oui, mais lui, je vais rater le plaidoyer. Ben oui. Bon bah, passez une bonne soirée, messieurs. Merci à vous aussi également. Mais merci, merci. Au revoir, messieurs. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. On va où, Cooper ? Je sais pas, Sterling. Oui, allons où la... Allons où l'enfer nous mène, au commissariat. Voilà. Et le procureur, est-ce qu'il a rappelé, Cooper ? Il n'a pas rappelé. Appelle-le. Tiens, je vais l'appeler. Oh ! Tu as vu ce que j'ai vu ? Messieurs les avocats, on vient de me taper, messieurs les avocats, allez ! Tunnel ! Oh là là, messieurs, que se passe-t-il ? Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Pourquoi cet homme est à terre, monsieur ? Regardez ma mâchoire, cher. Non, on a tout vu, monsieur. Vous l'avez frappé volontairement. Non, il a trébuché. Non. Pourquoi vous l'avez frappé, monsieur ? Je ne l'ai pas frappé, c'est un ami. Non, c'est faux. J'allais prendre sa plainte, d'ailleurs. Quel est votre matricule, monsieur ? Quel est votre matricule ? 15, c'est 15. Oui, mais non, il y a un malentendu. Il s'appelle Nazaro. Il y a un malentendu, je crois. Dis à Sam, tu vas pas jouer le malencontre brisant. Et juste avant, il a dit à son agent de un peu plus bas de me frapper. Écoutez, messieurs, il y a des caméras justement. Bah oui, bien sûr. Il a frappé mon officier ici et j'ai dû le calmer avec la matraque. Non. Nous étions là, nous avons tout vu. Pourquoi changez-vous de version, monsieur ? Ah, vous avez vu quoi ? Vous avez vu quoi, s'il vous plaît, monsieur ? Vous avez vu quoi ? Oui. Vous inquiétez pas. Je souhaitais porter plainte pour une autre affaire, mais ils n'ont pas accepté. Ils m'ont conseillé de porter plainte demain et ils voulaient comment pas ça, aussi. Vous refusez des plaintes comme ça. Il n'y a personne pour prendre des plaintes, monsieur. Mais vous êtes quoi, monsieur ? Mais moi, je m'en vais là, j'ai fait un 10-10. Non, mais il n'y a pas de 10-10. Vous êtes en uniforme, vous êtes au service de la démocratie. Ouais, bah, vous allez m'apprendre à faire mon boulot ? Bah oui, justement. Exactement, monsieur. Prenez un stylo et asseyez-vous et écoutez la loi, monsieur. Voilà. Écoutez la loi. Allez, de l'autre côté du guichet, 15. Toi, tu vas te calmer un peu, toi. Tu peux aller te plaindre contre moi, t'es sûr ? Non. Parce que là, il y a les caméras, là. Bah, donc, ouais, si tu joues au con, moi aussi, je vais jouer au con. Oublie pas. Tu veux vraiment que je porte plainte contre toi ? Non, on en reste là. T'as glissé sur ce truc-là, malencontreusement. Je vais juste porter plainte pour le truc que je suis venu à la base. Oui, monsieur les avocats. Justement, on t'a conseillé de repasser demain parce que ça serait plus utile pour toi. Là, vous partez tous, c'est ça, il n'y a pas de policier ce soir. Apparemment, essayez de vous renseigner, mais moi, monsieur l'avocat, parce que j'ai donné de ma personne ce soir. Je mérite bien mon repas. Ouais, tu m'as mis une bonne matraque dans la gueule aussi. Tu vas la fermer, for God's sake, tu vas pas essayer de... Je suis venu ici porter plainte, le collègue avec le chapeau m'a une fois poussé, puis une fois mis une patate, et ensuite 15 lui a ça, dit, c'est bon, tu peux le taper, il a hésité, ensuite il m'a tapé, j'ai dû me défendre, du coup je l'ai touché. Ah bon ? Alors là, c'est moi qui vais porter plainte, hein, si ça continue. Bon, du coup, je repasserai demain pour porter plainte. Ouais, c'est une bonne idée, ça.
Que Dieu vous protège. Ah, messieurs les agents, j'ai une petite question pour l'un d'entre vous, monsieur. Oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. Pourquoi dans ce commissariat, il n'y en a pas un qui est responsable, monsieur ? Combien de services, là ? Parce que j'en sais rien, moi. Pas un qui est responsable de quoi ? Est-ce qu'il existe un agent qui fait son boulot ici ? Ah ben, vous avez le meilleur agent des États-Unis d'Amérique juste à côté de vous, for God's sake. Ouais, il parle de moi. Vous êtes agent de terrain, vous êtes commandant, capitaine ? Ah, moi, je suis le meilleur flic de l'Amérique. C'est un peu une version de Batman. Comment, monsieur, vous m'avez dit quoi ? Oui, vous êtes capitaine, commandant, monsieur. Vous me souvenez avec vos grades, for God's sake. Je vous dis que je suis qu'un. Mais on parle pas de vous dans une pipe. Votre mèche n'est pas le centre du monde, monsieur. Oui, sorry. Il n'y a pas de souci. Ah, alors, monsieur, vous êtes gradé. Je suis officier 2. Officier de quoi ? Officier de quoi ? Officier 2, numéro 2. Attends, je reste quand même devant le PDP pour qu'il me voit. Oui, officier de police, on a bien compris, monsieur. Oui, officier de police, ouais. Et vous êtes quel numéro, monsieur ? Matricule, vous voulez dire ? Oui, quel matricule ? Ah, 69. 69, d'accord. Mais alors, comment c'est vous êtes officier 2 ? Oui. Monsieur, on vous parle. Regardez, non, moi je suis officier. Monsieur, vous êtes sous drogue ? 69, ok ? Vous êtes sous drogue, monsieur. Vous arrivez à lire ou c'est compliqué pour vous ? Officier, 69, ok ? SS des menaces que tu me fais 15. Monsieur, mais vous consommez de l'alcool, monsieur ? Monsieur, est-ce que vous buvez, monsieur ? Oh, bah, c'est une j'ai une question, est-ce que à des moments ça vous arrive de faire votre travail à vous ? Bah, justement, on fait que ça. Justement, ah, oui, là, on est en train de faire travail. Vous êtes avocat ou psychologue ? On est un peu des deux, ça dépend. Ah, ok. Bah, si vous êtes psychologue, j'aurais besoin de vous. Oui, bah oui, bon, vous écoutez. Oui, bah, pas que de nous, a priori. Le monsieur de la DOA, il vous fait chier un peu. Sinon, c'est vous, monsieur Sterling et Cooper, c'est ça ? Oui, sinon, monsieur. Les meilleurs amis. Eh ben, je vous souhaite bonne chance pour le procès qui aura lieu mardi avec le vous soutenez le banquier ou un truc dans le genre. On soutient personne, monsieur. On fait vous êtes comment dire, affilié, enfin pas affilié, non, mais vous défendez, voilà, vous défendez le banquier. Oui, d'ailleurs, votre avocate, est-ce que vous pouvez la joindre, monsieur ? Lilia, Harley ? Oui, et dites-lui de venir au commissariat, s'il vous plaît. Okay. Avant le procès, ça serait bien qu'on fasse quand même un pourparler, enfin notre devoir d'avocat, quoi, finalement, parce qu'elle n'a pas l'air de le faire. Donc. Je l'appelle. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, messieurs les avocats. C'est très aimable à vous, monsieur. C'est très aimable à vous de me demander d'appeler madame pour... C'est bien normal, c'est bien normal. Elle répond pas, Jimmy. Très bien, elle ne répond pas, cette gente demoiselle. Grosse conne, vous avez failli le dire, c'est ça ? Moi non, je me permettrai pas, c'est mon avocat, elle tâte, elle va me défendre. Elle tâte, j'imagine, monsieur, j'imagine. Oui, elle doit bien tâter le barreau. Elle doit bien tâter, oui. Mais le barreau de la justice, elle le tâte bien. Elle le tâte à outrance. Et plutôt deux fois qu'une serre les gars. En tout cas, je vous félicite pour la victoire de votre procès. Je vous serre la main. Non, je vous fais de la bise. Non, ne me touchez pas, monsieur. Mais pourquoi, monsieur ? Bah, pourquoi on aurait gagné ? Bah, parce qu'on a déjà perdu d'avance. Bah oui. Enfin, j'ai l'impression que... Bah oui, mais nous sommes les meilleurs avocats de la ville, monsieur, c'est normal. Il fallait nous appeler, nous, monsieur, hein ? Bah oui. Non. Bah si, oui, il fallait nous appeler, nous. Bah si. Alors, ça dépend. Si vous nous payez très très cher, on peut encore s'arranger. Si vous appelez une greluche, comment voulez-vous gagner une affaire, monsieur ? Oui, voilà, c'est ça. C'est... Encore si j'ai Amadeus avec moi au même moment, ça ira. Lilia, elle va crier dans toute la salle, ça ira un peu moins bien. Crois-moi, elle va pas crier. Non, personne ne criera, monsieur. Oui, mais du coup, vous êtes pas dans mon camp, donc moi j'ai envie qu'il crie et qu'il gagne. Elle va rien faire, monsieur. Vous savez, ce n'est pas en criant que l'on gagne une affaire, monsieur. Voilà. C'est juste avec le cerveau, et malheureusement, je pense oui, que... Je vous sais. Savez, qu'on le veuille ou non, monsieur, écoutez-moi bien, qu'on le veuille ou non, la justice a un cœur. Et nous en sommes les cupidons. Oui, mais le banquier, il est pas bien. Bon, après, comment vous voulez que je mette plus haut que le banquier ? Le banquier, il est je sais pas, j'ai 10 000 dollars sur votre compte, ça vous suffit pour ne plus défendre le Vous allez perdre, monsieur, vous allez perdre. Vous allez perdre, monsieur, je suis désolé de vous le dire. Bah, je sais bien. Monsieur... Mais la prochaine fois, appelez-nous quand même, monsieur. Parce que avant son offre, si on aurait eu la vôtre, on vous aurait aidé, vous, monsieur. Ouais, je sais, mais en fait. Croyez-moi que vous auriez gagné, monsieur. Notre entreprise avait un contrat avec. Justement, c'est pas votre entreprise, monsieur. Oui, ça n'a jamais été votre entreprise, monsieur. Ça n'a jamais été, monsieur. Non. Bon, bah, c'est une affaire qui est d'avance. Non. Désolé pour vous, monsieur. Mais voilà, mais désolé pour vous, hein. Vraiment, toutes mes condoléances. Oh, misère de misère. Mais oui, mes circonscriptions. Voilà. Mais la prochaine fois, appelez-nous, monsieur. Si j'étais pas employé, alors. Je pense que j'appellerai tous les avocats pour que le banquier en a aucun. Il y a que deux qui sont au niveau dans cette ville, monsieur. Bon, et maintenant ils sont partis, ces connards de. Ces agents de la SPD. Mais il y a personne ici, à cette heure-ci. Il y a personne, monsieur. Oh, wow, un agent ! Oh bah ça vient vite, vous êtes un agent, monsieur. Ah non, je suis pas agent, moi. J'en ai pas. Vous avez la même tenue qu'un agent de la LSPD, c'est bon, ça, on comprend. Ah, il s'habille comme ça. Oh, vous savez, il s'habille un peu comme. Voilà. Incroyable, c'est des ballast gang, ok. Oh monsieur, vous faites partie d'un gang, monsieur ? Non monsieur, non, je m'habille un peu comme les gars de mon quartier. D'accord, et bah, c'est quoi bien, votre quartier, monsieur ? Mais c'est bien, monsieur. Ben oui, mais il faut être solidaire, monsieur, il faut être solidaire. Voilà, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac, monsieur ? Qu'est-ce qu'il y a quoi dans votre sac ? Rien, monsieur.
D'accord. Monsieur, avez-vous déjà tué des gens? Monsieur, êtes-vous criminel? J'ai une question, monsieur. Oui. En fait, je récolte des dons pour les petits du quartier. Bah, c'est bien les, ça, les monsieur. Petits, oui, les personnes de petite taille, vous voulez dire. Ouais, exactement. Oui, les petits ils souffrent. Des échasses, vous fabriquez des échasses, c'est ça, monsieur? Exactement. Vous êtes menuisier alors, c'est bien, c'est une faute. C'est un beau métier. J'aurais juste besoin de à peu près 100 000 dollars. J'ai pas d'argent, monsieur. Il faut demander à l'homme blanc, il a beaucoup d'argent, hein, parce qu'il a perdu une affaire. Monsieur, à qui? À moi, demandez à moi. A priori, il est propriétaire d'une grande entreprise florissante. Et apparemment, il gère pas mal de monde. Il gère pas mal de monde. Il gère vraiment bien pour les patrons, a priori, selon ses dires. Oui, il gère bien, il gère bien. Du coup, monsieur le patron, possible d'avoir 100 000 dollars? Allez, faites un geste. Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, monsieur les avocats. Monsieur, et c'est pour les gens de petite taille. C'est pour. Oh, ça ne pense pas aux gens de petite voyez-vous, taille. Vous voyez ça, monsieur? Ça fait mal au cœur. C'est décevant, c'est décevant. Bah oui, bah nous comprenons. On crève de faim, monsieur. Mais je comprends, monsieur, d'ailleurs. Moi, je vais pas à l'école. Mais monsieur, avez-vous besoin d'un avocat un jour? C'est dommage, Cooper, parce que nous, écoutez, monsieur, on a fait un don pour les personnes de très grande taille, nous. Donc malheureusement, on peut pas se permettre ce mois-ci de faire un don pour les personnes de petite taille. Oui, c'était pas des gens. C'était pas d'ailleurs. Par contre, vous êtes avocat. Oui, avocat au gros baron. Nous sommes les meilleurs avocats de la ville, monsieur. Justement, j'ai un problème. D'ailleurs, je crois que nous sommes juste les seuls avocats de la ville. On a tous des problèmes. Ouais, mais j'ai besoin d'un problème, mais vous pouvez m'aider à le résoudre. Posez la question, on verra si on répond. En gros, les keufs, l'autre jour, ils m'ont arrêté. Apparemment, je suis un terroriste. Bon, vous les connaissez, c'est des fous. Oui, ils voient des terroristes partout, monsieur. Oui. Exactement. C'est ça, oui. Et en fait, si vous voulez, ils m'ont proposé une. Comment dire? Ils m'ont dit, on va faire un arrangement, comme ça, vous restez pas en cellule trop longtemps. Mmh. Et l'arrangement, c'était. Ils m'ont mis 100 000 dollars d'amende. Merci, je vais les régler en un certain temps, sinon ça va plus augmenter. Ils vont venir voler des interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Ça s'appelle du racket, monsieur. Voilà. Ben là, 100 000 dollars d'amende dans les poches, monsieur. Bah, donnez-les-moi. Donnez-les-moi. C'est des preuves matérielles. C'est des preuves matérielles, monsieur. Je peux pas vous les donner, monsieur. Mais c'est une amende. Donnez-la nous. On fera passer le message, monsieur. Ok. Bah, au pire, vous me donnez 100 000 dollars, comme ça je règle l'amende. Non, monsieur, ça marche pas comme ça. Nous connaissons la loi. Nous sommes avocats, monsieur, quand même. Et les keufs, ils viennent quand, là? Parce que vous pourriez peut-être m'aider. Moi, j'ai besoin de vos services, en fait. Mais c'est quoi? Vous voulez quoi, monsieur? Vous voulez quoi de nous, monsieur? Qu'ils annulent l'amende à 100 000? Non, je vais comment pour la payer? Ils vont pas, il faut pas annuler, il faut porter plainte, monsieur. C'est du racket que vous subissez. Mais voilà, je veux porter plainte. Il me raquette. Oui, moi, on me raquette, moi. Nous sommes pas policiers, monsieur, nous sommes avocats. Oui, voilà, mais nous, on n'est pas des plainteurs, monsieur. En gros, vous me servez à rien. Nous allons vous servir à. Vous savez, quand vous serez derrière des barreaux, monsieur. Là on sert. Et ben, c'est là qu'on sert, monsieur. Parce qu'on va vous sortir de là très rapidement. Voilà, on vous représente pour un cas juridique. Monsieur. Vous savez, quand ils arrivent à vous mettre une petite matraque à 3h du mat, monsieur. Ouais, quand vous dormez, nous sommes là pour vous représenter, monsieur. Vous comprenez? La petite olive, ouais. Voilà. Sauf que vous, là, vous n'êtes pas derrière les barreaux, monsieur. Non, c'est vrai, je suis dans le commissariat, c'est tout. Hein. Bah oui. Et donc, vous attendez quoi ici, vous? On ne sait pas. La vie, monsieur. On attend la justice, monsieur. Parce que dans cette ville, tout le monde est fou, donc on attend la justice. Personne ne répond au téléphone. Hein, je vais essayer de rappeler le procureur. Oui, bah oui. Ça n'existe pas ici, vous êtes au courant. Oui, bah on commence à comprendre. On l'a constaté. Oui. Monsieur, est-ce que vous savez où il y a de l'action un petit peu quelque part ici? Où il y aura besoin de l'action? De l'action. Bah vous avez été voir en cellule déjà. Oui, mais il y a une prise d'otage aujourd'hui. C'est aussi vite que le hall. Une prise d'otage? Ah, mais vous m'en demandez beaucoup. Moi, je suis juste un mec. Ah voilà, il décuffe, mais. Arrêtez-vous! Ils vous entendent pas, monsieur. Hein. Oui, ils sont partout. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dépanner? Et on accepte de faire un contrat gratuit avec vous. Sérieux? Bien sûr, monsieur. Oh, attention, Sterling, ne t'engage pas dans trop de trucs. Mais vous avez une arme de type automatique? Ça peut se trouver, ouais. Oui, parlons à l'extérieur, monsieur. Oui, parlons, venez, monsieur, ça nous intéresse. Votre cam nous intéresse. Juridiquement, c'est intéressant. Oui. Vous êtes prêts? Vous voulez vraiment une arme? Non, c'est la justice qui veut une arme. C'est la justice qui veut une arme. Écoutez, bougez pas. Je vais voir vite fait 2 secondes, juste là-bas, si je peux trouver un. Si vous y êtes, allez-y. Oui, allez-y. Parce que sinon, on met nos tenues, Cooper. On retrouve cette dame et on crève ses pneus de voiture. Oui, mais et je crois que cette dame est partie. Il y a des gens qui restent, peut-être. Par contre, je prendrais bien un agent de police pour lui. Oui, oui, on va trouver un truc. On va trouver un truc, Cooper. C'est Cooper? Il y a un Cooper. Oui, c'est moi, monsieur. Oui, c'est le monsieur. Ouais, c'est eux. C'est qui, eux? Oui. C'est rien. Qui vous parlez, monsieur, le wagon? Vous nous cherchez pourquoi, monsieur? Vous désirez non, quoi, c'est pas qu'on vous cherche, c'est qu'apparemment des mecs de chez moi ils vous connaissent. Ils nous aident bien. On est les meilleurs, on est les meilleurs. Normalement, on est les meilleurs, ils nous aident bien, monsieur. Ok, bah non, ça devrait aller alors. Du coup, c'est les Cooper, hein? Non, c'est Sterling. C'est pas les Cooper, c'est juste Sterling Cooper. Les Cooper, elle est en prison, votre. Oh. Oui, dites-nous.
En fait, je crois qu'ils vont avoir besoin de vous dans pas longtemps. Oui, bah justement. On peut trouver un arrangement, monsieur. Oui, on peut trouver un arrangement. Ça veut quoi? Avez-vous des lance-roquettes, monsieur? Des explosifs, monsieur, vous avez tout? Ouais, on a tout. Bah, apparemment, je suis terroriste et j'ai tout chez moi dans ma cave. Oui, mais finalement, vous êtes peut-être. Grenade, ouais. Finalement, c'est peut-être pour ça que vous avez une amende de 100 000, monsieur. Finalement, Kalash. Monsieur. Bien sûr. Bah, je suis en approche terroriste. Alors, mon numéro à moi, c'est le 5733. Ok, c'est Cooper, c'est ça? Non, Sterling, moi. C'est l'homme chaud. C'est l'homme chaud. Donne-lui ton numéro parce qu'a priori il a que Cooper à la bouche. Non, c'est bon, Sterling, ça me va. Donne-lui ton numéro. Avez-vous des tanks aussi? Non, ça, je suis pas assez chaud. Hélicoptère de combat. J'ai tendance à m'emballer, Sterling. Oui, hélicoptère de combat, ça peut se négocier. Pardon? Ça peut se négocier. Ah oui, ça se négocie à combien? Tout se négocie. D'accord, oui, bah oui. Bah, nous passerons bientôt négocier alors. Commençons les négociations, monsieur. Non, là, je dois rentrer chez moi. Mais mes cons, ils vont me niquer. Écoutez, j'ai pris votre numéro. Je vous appelle. Vous venez à la raquette et vous achetez tout ce qu'il vous faut, C4, hélicoptère, Kalachnikov. Voilà, bon. Donc pour vous venir à partir de quand, monsieur? Bah, dès que j'ai envoyé un message. Allez, mais vous nous dites, vous nous dites. On attend, on est là. C'est carré, on se capte. Très bien. Toutes les formes géométriques, monsieur. Très agréable, cette fois. Très agréable. Vous avez dit quoi? J'ai dit toutes les formes géométriques. Ouais, ça, ouais. Carré, losange. Voilà, très agréable. Perpendiculaire. Oh, cette personne est à l'hôpital, allons-y! Ah oui, c'est non, n'ouvrez pas! Non! Allez, Cooper, on y va! C'est bon alors! Oh oui, tu entends ça, Cooper? Oui, j'entends Sterling, et toi, tu entends Sterling? J'entends tout à fait des. Oh là 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 là! C'est un long véhicule! C'est un long véhicule! Dérapage maintenant! Oh, c'est un beau dérapage d'avocat! Ah oui, là, c'est la loi! Aïe! Oui, bonjour messieurs. Bonsoir messieurs, vous avez besoin de soins? Vous avez besoin de soins, vous? Vous avez besoin d'être soigné peut-être. Calmez-vous, messieurs. Non, on se calme pas, nous sommes très enjoués ce soir. Oui, je vois ça, monsieur, je vois ça. Est-ce que la loi a sonné ici? Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous, madame? Vous avez une bien belle cheveux. Non, monsieur. Non, pas vous, excusez-moi. Vous êtes toutes pardonnées, ravissante telle que vous êtes, monsieur madame. Bah, merci, c'est gentil. Bah, c'est dit avec le cœur. C'est dit avec le cœur et avec la sincérité, madame. Bah, Sterling Cooper, nous sommes avocats au gros barreau, madame. Oh, c'est vous, là, le tweet, là? Oui, madame, c'est tout à fait. Oui, bah, allez vous faire foutre, alors. D'accord, madame. Allô? Je ne sais pas de quoi faire. Comment ça, il m'a dit quoi? Madame, quelle est cette histoire? Je crois que vous vous trompez de personne. Ah, ça, oh, rien. T'es parti avec ta gueule, par contre. Mes avocats préférés, comment allez-vous? Madame, raccrochez ce téléphone. Madame, qu'en est-il? De quoi vous parlez? Comment ça, de quoi je parle? De quel tweet parlez-vous? Je crois de qu'on quel tweet pas, parlez-vous, madame? On comprend pas. De votre tweet, là, l'hôpital, ah, la personne qui bosse, là. Mais c'est pas nous. Mais non. Mais non, c'est Elliot McCormack qui a tweeté ça. Madame, ah, d'où de même. C'était Sterling, je comprends plus rien, je suis fatiguée. Mais moi, non, mais oui, madame, vous nous devez des excuses, là, tout de même. Non, des petites excuses, madame. Non, au moins un petit là, pardon. Juste un petit excusez-moi. Je m'excuse, non. Voilà. Genre, bon, merci, monsieur. Au moins quelqu'un compétent. Madame, excusez-vous, madame. Elle refuse le pardon. Non, excusez-moi, j'ai plein de trucs à attendre. Allez, voilà, fermez-la. Bon, alors, dites-nous en plus, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 7 blessés, Bredin. Vous avez un bandana sur la tête, monsieur. Monsieur. Oh bah c'est un Cooper. Wow. Ah c'est bon, tu lui as remis saisi. Oh wow. Attention, monsieur. Quand même, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, vous allez bien? Bah je sais pas, on m'a poussé. Mais oui, c'est parce que vous répondiez pas, monsieur. Mais j'étais dans mes pensées, je réfléchissais à mon emploi du temps de demain. D'accord, vous pouvez soigner cet homme à terre que vous avez mis à terre, monsieur, s'il vous plaît. Allez, monsieur. C'était totalement gratuit ce coup de poing. Oui, ils vont te soigner. Bah, moi aussi, c'était totalement gratuit. Ah non, moi, je me suis inquiété pour vous. J'ai cru que vous vous étouffiez, monsieur. Ah, ben moi aussi, je me suis inquiété pour vous, monsieur. La loi s'inquiète, monsieur. Il faut le savoir, monsieur. Vous pouvez nous soigner, s'il vous plaît? Non. Oui, soignez-moi. Non, on ne vous parle pas, vous. Non, je rigole avec vous. Ça va, pas tranquille. Moi, ça va très bien avec vous, monsieur. Ça va, Abdullah. Kerak, Rouya. La baisse, alhamdoulilah. Mais dites donc, Sterling, je savais pas que tu parlais. Oui, j'ai appris. Oui, je connais un peu. Oui, c'est bien, il faut connaître un Sterling. Hein. Oui. J'ai des problèmes. Vous allez bien, monsieur? Merci, monsieur, c'est très gentil à vous. Monsieur, et juste un petit bandage. C'est juste qu'en fait, c'est, vous savez, c'est pas réflexe. On me touche, je touche. Oui, je comprends, vous êtes intouchable, monsieur. Je meurs d'envie de vous toucher, monsieur. Ah non, je suis pas intouchable. Que disait mon prêtre? Avant cette terrible histoire, c'est ça? Ah ouais. Cette terrible histoire. Je suis pressé de connaître la suite, hein. Oh, bah on l'a sorti de prison, monsieur. On l'a sorti de prison. Qui ça? Jules, pardon, face. Bah nous, la justice. Ah. Les avocats, monsieur. Ok, vous êtes avocat. Depuis combien de temps? Oh, depuis des années, monsieur. Depuis trop nombre d'années, monsieur. Monsieur, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 7 blessés, paraît-il. C'était chaud, hein. C'était chaud aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne soirée, tout le monde. Au revoir. Bonne soirée, messieurs, dames.
Messieurs, excusez-moi. Messieurs, est-ce qu'on récupère nos motos? On représente la loi. Excusez-moi, messieurs. Ouais. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous la vérité. Nous sommes avocats au gros barreau, messieurs. Sterling et Cooper. Moi aussi, j'ai un gros barreau. Ah bah voilà. vous êtes heureux, défiguré mais heureux, monsieur. C'est bien. Je suis pas défiguré, je vais très bien. Je suis pas... Mais je crois que les docteurs vous ont loupé, monsieur. Oui. Mais je suis pas blessé. Si vous êtes défiguré, votre nez a un nez, monsieur. C'est pas normal, monsieur. Monsieur, ce nez est une citrouille, monsieur. C'est normal. Il y a deux avocats de merde là qui disent que mon nez, il a un nez. C'est vrai, les gars? C'est le choc post-opératoire, hein, Sterling. Non, ça se pense. Je pense qu'il y a. Mais les gars, vous êtes complètement fous. Donc dites-nous, est-ce que vous avez besoin de nous? Je pense que c'est juste des verrues. Je vous mens pas que tout va bien. Alors si tout va bien... Donc vous sortez de l'hôpital à 6 ou 7 et tout va bien, monsieur, c'est ça? Parle-moi, mais... On a Miyano qui a fait un gros accident de moto et qui a entraîné la mort. Toutes mes circonférences, monsieur. Et toutes mes circoncisions, monsieur.